إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، mes frères et mes sœurs en islam, je vais essayer de dire dans les deux langues en même temps, بالعربية et en français, inshallah, on va parler des 10 derniers jours, ces jours précieux, ces jours que Allah subhanahu wa ta'ala a fait toute une particularité dans l'année. Il n'y a pas de semblable, si ce n'est al-ashr al-awa'il min dhil-hijjah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il parle d'une exception pendant ce mois de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours, al-a'mal turfa'u 'inda Allah wa tuda'af wa yani tuktabu bi bil ajr al-wafir wal-kathir bi idnillah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim anna al-insan, le plus important c'est que le musulman sache profiter, saisir les différentes situations. Il sait que ce moment-là, il va disparaître rapidement et dans les meilleurs délais, dans quelques jours, on va dire quelques heures, des grandes heures, et on va se retrouver dans le mois de Shawwal, et al-fadl al-azim de ce mois, il va disparaître. Et Allah, il ne le dit pas comme ça par hasard. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Il y a dans ces 10 jours, il y a une nuit toute particulière. Comme vous le savez, elle vaut, on va parler de ça, elle vaut pas moins de 83 ans d'adoration. Imaginez, vous êtes en train, j'ai 90 ans, imaginez ça. Je suis en train d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Il vient quelqu'un, il va coïncider avec cette nuit, et pour coïncider c'est facile, vous le savez, on va faire le qiyam tous les jours, avec l'imam, ou bien chez soi, après salat al-isha, je fais salat. Les 10 jours, les 10 derniers jours, comme ça je suis sûr et dans la certitude totale que je vais avoir, inshallah, la possibilité de coïncider avec cette nuit, la nuit de la valeur, la nuit du destin. On va donner des explications et pourquoi elle s'appelle ainsi. Mais vous vous rendez compte que c'est une exception dans la vie. Celui qui a ça, il a l'équivalent de ibadah de 83 ans et quelques mois. C'est une exception, et c'est pour ça que le musulman ne doit pas rater. Il doit, lorsqu'il se réveille le matin, la mayafir sabah, yufakir, yukul subhanallah, la zinna fi ramadan, la zalat al-ashr al-awakhir, la zal al-siyam, la zal al-fadl al-qur'an, la zal al-shahr al-siyam, inshallah, fal yubadir wa la yudayya al-waqt. Donc si on devait donner un titre à cette conférence, on va l'appeler al-fadl al-azim, al-baraka, al-ajr al-wafir, al-istitna, on va l'appeler comme vous voulez, l'exception, la récompense totale. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cette possibilité, ce qu'on a raté. Yani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan, yani bil-niyya wal-ikhlas wal-sidq والمحاسبة واحتسابا، معنى احتسابا يعني يلتمس الأجر عند الله سبحانه، يلتمس الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
Rabbama l'insan a dhaya siyam. Il a raté un peu siyam. Qu'est-ce qu'il va faire? Man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Zidu al-hadith al-tani. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hatta l'insan il a dhaya siyam. Rabbama andu al-qiyam. Al-qiyam salat al-tarawih. Ou salat fil-bayt. Yudrik bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc s'il va rater le jeûne, il pourra toujours rattraper Al-Qiyam. C'est pas comme ce qu'on voit dans les mosquées. Toutes les mosquées, sans exception. Salat al-Isha, deux rak'at de Tarawih, il y a déjà les rangs qui vont disparaître. Quatre, déjà des rangs qui vont disparaître. Et si on demande aux frères, vraiment, est-ce que vraiment vous avez un rendez-vous très important, au point de laisser Dieu, la face de Dieu, de laisser la rencontre avec Dieu subhanahu wa ta'ala, écouter le Coran et de partir faire cette autre chose, wallah, peu de frères vont dire vraiment on a quelque chose de très important. Peu de frères. Et c'est pour ça aujourd'hui le musulman il est dans la flemme et la paresse, hein, il fait quelques obligations, ça y est, mashallah, il est très content et rassasié. Mais la vérité, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ad-dar al-akhira, la demeure éternelle, on ne l'aura pas avec la flemme et la paresse. Il faut qu'on s'investisse, il faut qu'on se sacrifie pour Dieu, il faut at-ta'a laha, yani sabr, mais sabr ala ta'at, yani ma yaqdirs l'insan hakada yuhassal ala l'ajr wal fadl wal jannah, ala inna sil'at Allah ghaliya. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية وهذه السلعة هي الجنة جنة الفردوس أو أي جنة من الأبواب الثمانية التي وعدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فالإنسان يجتهد chacun d'entre nous, le musulman doit faire l'effort, on doit pas juste espérer et souhaiter. Ça c'est les mirages. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans ce monde, qui sont dans l'au-delà, mais malheureusement, il aimerait tellement revenir, mais c'est trop tard. Et nous, on a encore la chance. On peut réaliser encore ta'at, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, on doit toujours parler avec notre âme et lui dire, calme-toi, je suis l'invité de Dieu, je dois prendre le temps nécessaire, je suis dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis ici pour récolter le maximum pour un jour éternel, ce jour certain que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Fa yani hadi al-ula yani muqaddima hatta la nada' at-tafrit yani fi 'ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Fa yani hadi al-'ashr al-awakhir hal hiya fa ahsan min allati sabaqatha al-'ashr al-ula wal-'ashr al-thaniya. Non, bidon ishak. Est-ce que ces 10 derniers jours sont meilleurs que les 10 premiers et les 10 du milieu? C'est une certitude. Au moins pour une raison. Et vous le savez, pour la nuit, Laylat al-Qadr, pour cette nuit-là, la nuit de la valeur ou la nuit du destin, comme on va le définir, au moins pour ça, il n'y a aucun doute. Et vous connaissez tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait? Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, lorsque arrivent les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aïqada ahlah, wa shadda izrah, wa ahya laylah. Aïqada ahlah, ça veut dire qu'il va réveiller ses épouses et ses enfants. La récompense, pas uniquement pour moi. Sinon je suis égoïste. Et ma femme, celle qui est en train devant la télévision, elle est en train de regarder les feuilletons ou bien en train de téléphoner, je dois lui faire une petite mawaïda lorsque je rentre chez moi et lui dire attention, on est en train de rater, éteignons la télévision pendant ces 10 jours, sauf s'il y a quelque chose d'important, peut-être écouter les nouvelles, le journal télévisé. Mis à part ça, on va éteindre la télévision. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 10 jours? On va, inshallah, se consacrer à l'ibada, à du'a,
قراءة القرآن، الصلاة، الصدقات، صلاة التهجد وقيام الليل، حتى يرضى عنا الرب سبحانه وتعالى، حتى يتقبلنا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجتهد ويبدأ بنفسه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سئل يعني عن خير المؤمنين، قال خيركم لأهله، شركم لأهله. الإنسان يبدأ بنفسه، يبدأ بالبيت دياله، يبدأ يوعد الأبناء دياله، يبدأ يوعد الزوجة دياله أننا يعني في شهر الخير نغتنم الفرصة. On va saisir l'occasion, mais je commence par moi-même. Avant de parler aux autres, je commence, comme dit dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Donc, ليسعك بيتك, dans ce hadith, la chose la plus importante, c'est que je m'occupe de ma demeure, de moi-même, avant de penser aux autres, et j'ai des obligations. J'ai des enfants, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai ma femme, ou la femme, elle doit penser également à son mari. Combien de fois on a parlé de ça, des gens qui étaient alcooliques, mais leurs épouses, elle n'a pas oublié, elle n'a pas claqué la porte, elle fait les invocations pendant la nuit. Lorsque lui il se réveille, il entend ça, sa femme en train d'implorer Dieu, en train de pleurer, Ya Allah ihdi zawji, Ya Allah ihdi zawji. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de frapper à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'elle soit ouverte, cette porte, sans relâche, sans lassement. Elle ne va pas hésiter ou ménager aucun effort jusqu'au dernier moment. Nous aussi, on doit faire les efforts jusqu'au dernier moment avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs. On ne doit jamais baisser les bras et dire non, c'est mon frère, lui il m'a insulté, il ne m'a même pas pris le téléphone, il ne m'a même pas dit Eid Mubarak. Ya akhi, je pardonne, j'oublie. En effet, Charles, nous sommes demandeurs du pardon auprès de Dieu, nous sommes demandeurs de l'indulgence auprès de Dieu. Alors également, soyons indulgents, soyons pardonneurs avec nos proches. Et ça commence par nous, comme nous allons insister, Inch'Allah. Alors, Fihad al-Shah, comment on va l'appeler? Il y a la première des choses, Huwa Shahr al-Jidd fi salat. Al-Layl, an al-insan yajtahid. Ma yitkasalch. Yani, shifna fi ba'd al-masajid, Sheikh kabir, wallah kabir, amal yani al-kursi, يصلي يعني بعض الصلاة واقف وبعضها على الكرسي، ولما نسأل يقول لك حتى لا أضيع الأجر. هذه فرصة عظيمة. On a vu dans certaines mosquées des vieux, vraiment des vieux, ils n'arrivent pas à se mettre debout, mais il se met quand même debout, il met la chaise derrière lui et il va rester. Il n'écoute pas ses passions, il va pas se dire mon âme elle va me tenir et me faire sortir de la mosquée. Qu'est-ce que je vais faire si ce n'est parler avec des gens, des amis, perdre mon temps, ou bien regarder la télévision, ou bien faire le shopping, ou bien me balader dans la voiture? Al-Muhim, la perte de temps. Alors que le croyant doit se dire, Allah, il va me demander sur chaque moment que j'ai passé dans ce monde, et je sais que ces 10 derniers jours sont capitaux. Allah, il m'a donné encore la chance. Saisissons cette chance. Il ne faut pas la laisser. Wallah, le croyant qui laisse passer cette chance, c'est un croyant qui dort, qui n'est pas, le cœur n'est pas là. L'iman, il est absent. Parce que celui qui a l'iman, yajtahid, il va faire tous les efforts nécessaires. Il change la mosquée. On ne demande pas pour changer, juste parce qu'il voudrait qu'il soit parmi les gens des 7 sous l'ombre de Dieu. ورجل قلبه معلق بالمساجد. J'ai oublié mon GSM, excusez-moi. Donc, نجتهد إن شاء الله على الصلاة. Et il nous suffit, de nous rappeler le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, hadith قدسي, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت. Mon esclave, mon adepte, mon serviteur ne va pas se rapprocher de moi
que par quelque chose que je lui ai imposé comme obligation. Mon adepte ne cesse de se rapprocher de moi avec les actions facultatives et les surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc, n'oubliez pas, c'est également un rempart contre al-ma'asi. Viendront les moments où on va faire al-ma'asi. Donc n'oublions pas que lorsqu'on est dans l'obéissance de Dieu, on est en train de se consolider, de renforcer notre foi, et Allah subhanahu wa ta'ala va dresser, inshallah, il va nous aider contre al-ma'asi bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Également, al-jid fi qira'at al-Qur'an ma tayassara min al-Qur'an. Alors il y a beaucoup de croyants qui oublient de lire le Coran et la récitation du Coran. Ce n'est pas uniquement l'imam qui lit le Coran, nous aussi on doit lire chez nous, hein, chacun d'entre nous, il essaie au moins de lire le Coran pendant le Ramadan. Les sahaba radiallahu anhum le faisaient plus qu'une fois, mais nous on essaie, inshallah, on fait les efforts pour lire au moins une fois le Coran pendant le mois de Ramadan. Si je ne peux pas le lire, je prends le Coran, inshallah, comme une cassette ou un CD ou l'MP3 ou l'MP4 ou je ne sais pas, le maître met réciter le Coran. Et dans ce sens, كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السنة مرة في رمضان يعني والسنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين دفع l'année où le prophète صلى الله عليه وسلم il est mort, Jibril il descend pendant le mois de Ramadan, il récite tout le Coran. C'est une manière pour mémoriser, juste pour nous indiquer, parce que le prophète sallam n'a pas besoin de mémoriser. Pourquoi il n'a pas besoin? Parce qu'il a la garantie que Allah va lui faire, comment dirais-je, sauver et sauvegarder le Coran dans son cœur, c'est une certitude. Pourquoi? Parce que il est le messager, il est le transmetteur. Et Allah, il le dit dans le Coran, فَلَا تَعْجَلْ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. Allah, il lui a donné la garantie que ne te précipite pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendit, Jibril alayhi salam, alors qu'est-ce qu'il faisait? Par précipitation, il répétait avant que Jibril ne termine les versets. De peur qu'il allait oublier les versets. Alors Allah lui a révélé les versets en disant, ne te précipite pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la garantie qu'il va te donner la certitude que le Coran sera dans ton cœur, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas pour ça, c'est juste pour nous dire, s'il y a un fadl de ces ashr awakhir, c'est parce que c'est le mois du Coran. Nous sommes dans le mois du Coran. C'est le mois où Allah il a révélé tout le Coran. Et on va expliquer ça, de min al-lawh al-mahfoud au ciel le plus proche d'un seul tenant. Et après, pendant 23 ans, du ciel le plus proche, les versets étaient révélés, donc selon les circonstances, selon les événements, et Jibril alayhi salam alla donc révéler ces versets bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes dans Shahr al-Qur'an. Et Allah il dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Également الذِّكْر, الذِّكْر, l'invocation de Dieu, l'insan yajtahid. Et dans ce sens, qu'est-ce qu'il dit? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَسْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وخير لكم من انفاق الذهب والورق. الورق سي الفضه l'argent. وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضرب اعناقكم وتضرب اعناقهم. قالوا يعني بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الله سبحانه وتعالى. Donc l'invocation de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'anodin comme ça qui est négligeable dans la vie du musulman. L'invocation, elle est centrale. Et c'est pour ça que Allah, lorsqu'il a parlé des hypocrites, qu'il a dit, lorsqu'ils se lèvent à la prière, ils se lèvent dans un état de flamme et de paresse.
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils n'invoquent Allah que partiellement, ou d'une manière insignifiante, ou peu de fois où ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les qualités du musulman, du croyant, on va multiplier les invocations. Et certainement ça, c'est le moins des invocations. Celui qui n'a pas appris les invocations, par exemple, après salat, après la prière, hein, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, jusqu'à la fin des invocations, ou l'invocation de recours, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, et jusqu'à la fin, au sujoud, j'apprends, je suis dans un mois d'exception, je vais faire un effort. Pourquoi les autres savent et moi je ne sais pas? Moi je sais dire subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, et c'est tout. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait plus. Comme j'avais un ami âgé, il m'a dit, moi je fais tahiyya, ce que j'ai, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire l'imam? Je lui ai dit, il est en train de dire quelque chose que tu n'as pas. Et je lui ai dit, voilà le hadith. Donc il faut apprendre, même les grands ou les petits, dans notre religion, alhamdoulilah, la portée est grande, et pour chacun, le nombre de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, surtout dans les invocations, la diversité est telle que chacun peut prendre les hadiths qui lui sont, inshallah, préférables, et il y en a beaucoup. Donc, au lieu de dire Subhanallah al-Azim, je peux dire Subhu'an Quddus wa Rabbul Malaikat wa Ruh, et les possibilités, elles sont illimitées dans ce sens, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Également, Waljiddu fi du'a. Alors, pourquoi je dis du'a? Vous le savez, donc, le professeur Sam, il dit Talat. Trois catégories de gens, da'awatuhum mustajaba. Il parle de al-imam al-adil, le gouverneur juste, équitable, wa da'awatul madloum. Da'awatul madloum, c'est-à-dire l'invocation de celui qui a subi un préjudice ou une injustice. Et puis le troisième, c'est da'awatul sa'im. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de frères qui ratent au moment de l'iftar. N'oublions pas, on va invoquer Allah. C'est vrai, je prends une date, je mange, je vais à la rupture du jeûne, mais après j'essaie de me consacrer et de lever ma main et de faire les invocations aussi longtemps que possible. Donc j'oublie pas mes frères, j'oublie pas mes problèmes. Il y en a beaucoup, donc inshallah nashtahid fi du'a bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est important, n'oubliez pas le du'a. Ce mois-là est un mois où Allah va exaucer le dua. Allah yataqabbal le dua. Comme je parle toujours aux jeunes en disant, attention, il y en a deux invocations qui vont être exaucées dans la vie d'ici-bas et dans la précipitation. Da'watul madloum, laysa baynaha wa baynallahi hijab. Da'watul madloum, c'est-à-dire celui qui a subi une injustice, lorsqu'il va lever sa main, c'est la catastrophe. Allah, il va aussitôt donner sa réponse. Même si c'est aussitôt, c'est un an, deux ans, mais il va donner sa réponse. Et puis, il y a un deuxième. Wa'uquq al-walidayn, c'est celui qui va dénigrer ou bien maltraiter ses parents. Sachez, mes frères et mes sœurs, que la sentence, elle va le toucher dans la vie d'ici-bas. Pas l'au-delà, c'est une certitude, mais dans la vie d'ici-bas. Wallah alladhi la ilaha illahu, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit da'watani mujibatan. Mujibatan, dans la vie d'ici-bas, elles vont, Allah subhanahu wa ta'ala va les exaucer. Et ça c'est a'adamu silah yatahazawadu bihi al-mutaqarribun fi hadhihi al-ashr. ويكفينا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كم je viens de dire ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم jusqu'à la fin où il dit ذكر الله سبحانه وتعالى. Et dans le dua, qu'est-ce qu'il dit? يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها قد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. إلا محروم. أعيد الحديث. حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها
illa mahroum, hadith rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, ce mois, il y a dans ce mois une nuit qui est préférable à 1000 mois, donc les 80 ans, 83 ans comme on avait dit. Celui qui sera interdit à cette nuit que celui qui s'est interdit. Et dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam dans Ibn Hibban ou le Hakim? Raghma anfi man adraka ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lah. Raghma anf, c'est une expression qu'on la trouve dans un autre hadith. Le prophète sallam, lorsqu'il monte la chair, dans le premier pas il dit amin, dans le deuxième pas il dit amin, le troisième pas il dit amin. Alors les compagnons, ils ont posé la question, pourquoi tu as dit amin? Il a dit, parce que Jibril, il a fait une invocation à la première fois et j'ai dit amin, et à la deuxième fois j'ai dit amin, et à la troisième fois j'ai dit amin, je prends juste la troisième. Il a dit, raghma anfin man adraka walidayhi wa lam yughfar lahu. Raghma anf, c'est une expression, je l'explique, qui veut dire celui qui va baisser la tête au sol, mettre le nez sur le sable, et il va le mettre comme ça, dans un état d'humilité, un état d'humiliation carrément, et nous on le fait, mais on le fait pour Dieu subhanahu wa ta'ala. On met le nez, raghma anfina, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici cette expression, il dit, il est humilié celui-ci, celui qui a atteint le mois du Ramadan, et walam yughfar lahu wa lam yu'taq minna wa al'iyad billah. Alors je vais prendre rapidement donc fada'il hadhihi al-'ashr, donc les mérites de ces al-'ashr al-awakhir min hadha ash-shahr. On va penser directement à Laylat al-Qadr, hein, n'est-ce pas? Le premier mérite, c'est Laylat al-Qadr. Awwal fadl, yani nadhkuruhu wa hiya Laylat al-Qadr allati hiya khayr min alf shahr. Naturellement, on peut se poser la question, est-ce que c'est Laylat al-Qadr qui est meilleur, ou Yawm Arafah, ou bien c'est l'Ashr al-Awakhir min Ramadan, ou les 10 premiers jours de Al-Qi'da? La question se pose, et les ulama, ils ont écrit, donc Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, etc. Les ulama, ils disent, Arafah, la journée, elle est la meilleure. Mais la nuit, c'est Laylat al-Qadr. Et les jours, ils disent, c'est l'Ashr al-Awakhir min Dil-Hijjah. Mais la nuit, c'est l'Ashr al-Awakhir min Ramadan. Regardez donc, ils ne ratent pas les deux. Ulama donc qui ont cette sagesse, ils ont donc essayé de conjuguer les deux en même temps. Donc il y a l'Ashr al-Awakhir min fil layali, hiya min Ramadan. Donc a'damu fadl, donc on va se rappeler, le meilleur des mérites, c'est le fait qu'il y a cette nuit exceptionnelle, qu'on souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala va nous agréer et va nous faire coïncider bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Alors, min al-fada'il, on ne va pas oublier shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc, ce mois béni, donc, pourquoi il est béni? Également, on doit se rappeler que c'est le mois du Coran. C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé le Coran. Allah il dit, Hamim al-Kitab al-Mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina, jusqu'à la fin du verset. Également, dans ces 10 derniers jours, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Qu'est-ce que ça veut dire l'explication ici? Les ulama ils disent, ça c'est tafsir Ibn Abbas, on le trouve dans Ibn Kathir, il dit, في ليلة القدر تنقل من اللوح المحفوظ إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإنه لفي الموتى أو كما أخبر يعني ابن عباس أي أنه كتب في ليلة القدر أنه من الأموات وقيل أن المعنى أن المقادير تبين في هذه الليلة للملائكة وهذا هو الأرجح. C'est-à-dire que pendant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait nous, dans notre foi, en tant que musulmans, fi aqidatina, Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait, awwal ma khalaq fil hadith
Al-Sahih, awwal ma khalaq Allah subhanahu wa ta'ala, vous le savez, la première des créations de Dieu, c'est Al-Qalam, la plume. La première des créations, il a créé Al-Qalam, qala aktub, qala wa ma aktub, qala aktub maqadir al-nas ila yawm al-qiyamah. Le destin jusqu'au dernier jour, il a été écrit. Ou dans Al-Lawh al-Mahfoud, dans les tablettes. Qui sait ça? Dieu subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les anges, ils savent ça? Non. Ils ne savent pas ça. Seul Dieu subhanahu wa ta'ala, il sait ça. Quand les anges, ils savent ça, Hada tafsir ibn Abbas, il dit, le jour de la nuit du destin, fi laylatil qadr, yufraqu fiha kullu amrin hakim. C'est quoi l'amr hakim? Tuktabu l'arzaq, Allah, il va décider les subsistances et les richesses, qui va être pauvre, qui va être riche pendant cette année, de combien? Al-ajal, al-ajal, c'est-à-dire qui va mourir pendant cette année et qui va naître. Et ça, il va l'écrire et il va le faire savoir aux anges. C'est à ce moment-là que les anges vont savoir pendant l'année, cette année, parce qu'eux, ils ont cette mission de descendre pour prendre l'âme, pour distribuer les fonds, pour distribuer l'arzakh, comme on le sait, surat al-Nazi'at, surat al-Mursalat, etc. Donc, voilà le sens de fiha yufraqu kullu amrin hakim. Donc, hada fadl min fada'ili hadihi al-ashr al-awakhir bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Wal maqsoud qila fi laylat al-qadr min al-lawh al-mahfoud kama akhbarna. Wa ma'na al-qadr aw al-qadr huwa at-ta'dhim. Ici, c'est pour ça qu'on dit en français, ce n'est pas la nuit du destin, quoique le sens il est également juste, comme on va l'expliquer, mais normalement c'est la nuit de la valeur, parce qu'il y a une valorisation. Laylat al-Qadr, wa ma adraka ma laylat al-Qadr, Allah il est en train d'insister. Écoutez bien, soyez attentifs les musulmans, les croyants, les jeûneurs, pendant ces 10 jours, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Il va expliquer لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Comme si vous allez adorer Dieu pendant plus de 80 ans, 83 ans et 4 mois exactement. Donc d'où l'importance, d'où on est vigilant. Normalement, dès il y a les 10 derniers jours, on est sur la garde. Normalement, c'est ça le croyant. Le jeûneur, il est sur la garde pour dire ces 10 jours. C'est comme le commerçant ou l'administrateur. Lorsqu'il va gérer son planning, le calendrier, il prend un agenda, il va dire, pendant les congés, je ne vais pas travailler, alors il va décharger. Il ne va pas mettre des rendez-vous pendant ces congés. Alors normalement, le croyant, pendant ces 10 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il doit normalement se décharger au maximum. Même si je peux prendre un congé, même si je peux prendre un congé pendant ces 10 jours, je le ferai pour la face de Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce que je vais me consacrer à Dieu et je vais m'investir pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est, et je vais revenir après pour al-ma'na de al-qadr. وقيل al-qadr بمعنى al-qadr بفتح الدال, al-qadr, le destin. Pourquoi? Parce que on va se rappeler ce que je viens de dire tout à l'heure, fiha yufraqu kullu amrin hakim, parce que Allah il va écrire les destins, enfin il les a déjà écrits fil lawh al-mahfoud, mais il va les transmettre comme aqdar, comme destin, pour les anges, pour les exécuter pendant l'année, pendant cette année. C'est pour ça on peut également l'appeler laylatul qadar, la nuit du destin. On peut le dire également parce qu'il y a ce sens là Il y a un autre sens, c'est le sens de وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا. Ici, le sens de قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا, ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقًا. ضَيَّقَ, ça veut dire il lui a donné peu de rentrées, peu de revenus. Parce que avant ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de quelqu'un qui est dans l'aisance. Hein? Rappelez-moi le verset fait surat Al-Fajr.
Donc le verset, qu'est-ce qu'il dit? Wa'amal insanu ida akramahu wa na'amahu. Voilà, akramahu wa na'amahu, il est dans l'aisance. Fayaqulu rabbi akramani. Pour celui qui va se rappeler, hein, parce qu'il y en a certains qui ne vont même pas reconnaître ceci. Mais l'être humain, il est comme ça. Lorsque Allah il va lui donner largesse, il va dire c'est Dieu, Allah qui m'a donné, etc. Pour certains. Mais la deuxième, dans tous les cas, فَإِذَا دَيِّقَ عَلَيْهِ رِزْقًا, il y en a peu qui vont dire Alhamdulillah. Peu qui vont se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا veut dire دَيِّقَ. Et لَيْلَةُ الْقَدْرِ, لَيْلَ دَيِّقَ, il veut dire dans le sens où elle est courte, elle est unique, elle est si courte, si éphémère, alors soyez attentifs et soyez vigilants comme un sentinelle qui va l'attendre bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Minha kadhalika wasafaha bi'annaha, on est en train de parler des mérites. Qulna unzila fiha al-Qur'an, fiha laylatul qadr, fiha kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala yukhbir annaha layla mubarak. Pourquoi layla mubarak? Le Coran le dit. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. C'est une layla, une nuit bénie. Elle est pleine de bénédictions. La récompense, elle est inimaginable. Je dis bien inimaginable. Aucun croyant ne peut imaginer, lorsqu'il va rencontrer Dieu, ce qu'il a eu pour ce qui est de la nuit du destin. Et d'ailleurs, dans ce sens, le Coran le dit. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُّنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. On ne sait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché le jour du jugement dernier. Nous a préparé, ce n'est pas caché, mais nous a préparé. Tellement ce sera beau, tellement ce sera inattendu, tellement ce sera exceptionnel, tellement ce sera incomparable avec ce qu'il y avait dans la vie d'ici-bas, on sera dans la joie totale. On sera dans une joie indescriptible. Et c'est pour ça, le croyant, il doit toujours, jamais sacrifier la vie éternelle pour quelques heures de distraction, de péché, de la vie d'ici-bas. On doit toujours penser, classer les priorités, n'oublions pas que nous ne sommes que des passagers. Et ça sera court, et on va rencontrer Dieu, c'est pour ça qu'on doit saisir cette occasion du mois de Ramadan, alhamdoulilah, hada fadlun min Allah adim. Et dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannati sana kulluha Ramadan. Si ma communauté savait ce qu'il y avait comme bienfait dans le Ramadan, elle aurait souhaité toute l'année comme Ramadan, toute l'année. Tellement la récompense, elle est inimaginable. Elle est inimaginable. Et c'est également lorsqu'on va inverser les rôles. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. Eux également, ils vont oublier toutes les distractions, toutes les jouissances, toute la joie, tous les biens qui se sont donnés et gaspillés dans la vie d'ici-bas, ils vont tous oublier. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: يُؤْتَ بِأَنْعَمِ مُلُوكِ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فمعنى الحديث يُغْمَسُ غَمْسَةً فِي النَّارِ. Donc on va le faire pénétrer et le sortir. Un laps de temps, un court moment, et puis on va l'interroger: est-ce que tu as connu une joie et une jouissance dans la vie d'ici-bas? Il va dire: Wallah, j'ai jamais vu de jouissance. Il va tout oublier, tellement que le feu ardent, tellement c'est douloureux, tellement c'est terrible, tellement ça fait peur et ça fait mal, un laps de temps. Et c'est pour ça Allah nous effraie. Il essaie de nous effrayer pour nous dire: attention, ce n'est pas une rigolade, c'est quelque chose de sérieux le jour du jugement dernier. Chacun d'entre nous, si tu peux pousser ta mère ou ton père ou ton enfant dans le feu pour lui prendre une hasanat, et tu n'es pas sûr que cette hasanat elle va te sauver, tu vas dire: c'est pas grave, je suis pas sûr, mais envoyez-le en enfer, je prends la hasanat. C'est comme ça, ça sera comme ça, ça sera terrible. C'est du chacun pour soi,
comme le dit le Coran, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ, on vous a ressuscité solitaire, seul. Vous étiez avec les associés, avec vos familles, mais vous êtes venus seul aujourd'hui devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وَوَصَفَهَا كَدَلِكَ, parce qu'il me donne 5 minutes, je vais essayer d'aller rapidement, وَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ, comme le dit le Coran. في هذه الليلة كذلك تتنزل الملائكة. On ne va pas oublier ça. Al malaika va descendre. Combien? On ne sait pas leur nombre. Leur nombre sera impressionnant. Dans ce sens, le professeur Sam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas l'endroit de 4 doigts dans le ciel, l'endroit de 4 doigts équivalent à cet espace-là, où il n'y a pas un ange qui est en train d'invoquer Dieu, en train de raka'a, en train de prosterner Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est impressionnant. Alors, ce jour-là, cette nuit-là, pardon, les anges, ils vont descendre, ou al-ruh, ruh, c'est l'ange, Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, bi-idnillah subhanahu wa ta'ala. Également, wasafaha Allah bi-annaha salam. Salamun hiya hatta matla'i fajr, salam. Salaman ala man? Ala al-mu'mini, al-sadiqin, al-muttaqin, القائمين المصلين التائبين القانتين سلام على هؤلاء donc elle est paix et sérénité sur les croyants pieux qui se sont qui ont obéi Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis la dernière récompense également, n'oublions pas, on avait dit من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Si j'ai raté le siyam parce que j'ai fait quelques bêtises, j'ai regardé le haram, je ne me suis pas retenu. L'autre jour, là, j'étais à Molenbeek, juste avant le Allah, la honte. La honte, on se dit musulman. Vraiment, c'est la catastrophe, les insultes, Allah, je ne peux pas décrire ici. Fils d'eux, etc. La bagarre, le couteau. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors qu'on est normalement. Parce que nous, on est ici, mais il y en a d'autres qui sont ailleurs, qui sont en train de se bagarrer. On oublie qu'il y a salam à l'al-mu'minin, qu'il y a paix et sérénité sur tous les croyants, alors on oublie, wal'iyadu billah. Donc, c'est un moment très important, alhamdoulilah, on est là. Et n'oubliez pas, avec l'ilm, avec ces hadith al-jalassat, il y a l'iman, inshallah, yazid, shi'an fa shi'an. Et on devient un rempart contre le shaitan après Ramadan et contre nos passions, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, hada. Et puis la dernière, comme j'avais dit, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ce n'est pas rien, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. On oublie, on passe rapidement. Ce n'est pas rien. Moi, j'ai 47 ans. Si j'ai siyam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mais je serai content, comblé. Mais vraiment comblé. C'est très important. Et celui qui a 60 ans, ou 80 ans, ou même 20 ans, rufir la huma taqadama min dhanbi. C'est extraordinaire. Allah, il va effacer tous les péchés. Si je rate siyam, al-qiyam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, rufir la huma taqadama min dhanbi. Si je rate al-qiyam, je sais, Elias, il me regarde, ça veut dire, même ça n'a pas suffi, il essaie de... Alors, la dernière des choses, man, ah, le hadith, je vais le dire tel quel, comme le dit, man qama laylat al-qadr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Également, si je vais rater siyam, rater le qiyam, au moins j'essaie de profiter, saisir cette occasion, inshallah subhanahu wa ta'ala. Mais moi, j'ai rien dit parce qu'il y a encore d'autres feuilles. Ce sera une conclusion à la fin, inshallah. D'accord, inshallah. Donc je laisse, inshallah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa nastasmi'ukum mubarakatan fikum. On va essayer, inshallah, de rattraper en disant quelques questions, inshallah.